Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live Choose Your Boat. Nous sommes aujourd'hui en direct du port des Minimes à La Rochelle et nous sommes à bord de ce magnifique catamaran Kumbaya, ce Nautitech 46 Open qui vient d'être mis à l'eau il y a quelques jours seulement. Et je suis avec Juliette et Hubert, les heureux propriétaires de ce navire. Juliette et Hubert, merci beaucoup et bonjour tout d'abord. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir en cette journée importante pour vous, puisque à partir de ce soir, vous allez vivre à bord de ce bateau pendant 3 ans, pour une durée de 3 ans, avec vos 4 enfants. Alors justement, parlez-nous, pour commencer, parlez-nous de votre famille. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Donc Juliette... Hubert. Et Hubert, donc voilà, donc, nous avons 4 enfants qui ont, donc il y a Louise la plus grande qui a 11 ans et demi, après il y a Agathe qui a 8 ans, Paul 6 ans et Bertie qui a 3 ans. Donc voilà, on part avec tous les 4 pour 3 ans normalement autour du monde. 3 années autour du monde avec les enfants. Alors nous allons bien sûr, nous, tout au long de cette émission, découvrir ensemble la préparation de ce projet, la vie à bord, le parcours que vous envisagez également de réaliser pendant ces 3 ans. Et pour vous, chers amis internautes qui nous suivez, je vous invite à nous poser toutes vos questions en ligne. Nous y répondrons en fin d'émission. Justement, racontez-nous ce projet de Tour du Monde, Juliette. Comment vous est venu ce projet? Quelles ont été les étapes importantes entre le moment où vous vous êtes dit, et si on partait autour du monde? Et aujourd'hui, on va quasiment dire une veille de départ. Exactement. Donc notre projet, il a pris naissance il y a très très longtemps. Enfin, il y a très très longtemps. Quand on s'est rencontrés, donc il y a à peu près 15 ans, c'était un peu comme une évidence qu'on partirait avec nos enfants, quand notre famille serait complète, les emmener découvrir le monde et voir un petit peu autre chose que leur petite vie dont ils ont l'habitude. Voilà, donc après, c'est enclenché tout un processus de longue préparation, parce que voilà, on ne part pas comme ça en claquant des doigts pour 3 ans avec une famille. Donc la première chose, ça a été de poser une date. Donc quand on a décidé de poser la date de 2020, c'est là que tout le processus de préparation s'est enclenché. Et ça, cette date, quand est-ce qu'elle a été décidée entre vous? Je dirais il y a 5-6 ans à peu près. Ouais, au moment de la naissance de Paul, on savait qu'on aurait globalement 4 enfants, donc on a décidé. Merci. On s'est dit 2020. La date était aussi fonction de la scolarité de Louise, notre grande. Oui. Le collège, ça va, on arrive à tenir. Mais le lycée, c'est important pour les enfants. Le faire sur un bateau, c'est bien, mais on se réserve le droit. Mais pour l'instant, on a prévu de rentrer pour le lycée de Louise. Donc, on parlera de scolarité tout à l'heure. Donc, effectivement, Juliette, il y a 5 ans, vous décidez de mener ce projet. Et après, comment se déroule ce processus? Et après, donc, on a d'abord lu plein de livres, découvert des milliers de blogs, arpenté tous les salons nautiques qu'on a pu pour chercher plein d'infos. La première grosse décision, c'était le choix du bateau. On en reparlera. Oui. Et après, donc, le choix de ce qu'on faisait au niveau professionnel aussi, parce que c'est pas simple de partir aussi 3 ans en mettant off sa carrière et de trouver des boulots qu'on peut retrouver aussi après une césure comme ça. Donc, c'était nos choix de professionnels. Et puis après, il y a tout ce qui est financement du bateau, parce que c'est pareil, on ne trouve pas les financements non plus en claquant des doigts. Donc, ça a été pas mal de choix, que ce soit dans la gestion d'un appartement, dans ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on ne déménage pas. Voilà, donc ça a été des choix, des concessions aussi qui nous ont permis d'arriver aujourd'hui à ce grand départ qui approche. Et alors justement, quels ont été vos choix là, par rapport et professionnellement et dans le financement, puisque vous parlez de choix? Ouais. Donc professionnellement, parce que forcément, des personnes qui nous regardent s'interrogent, se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire, nous aussi, demain, pour avoir un projet comme celui-ci, alors qu'on a des emplois, on a des enfants, on y reviendra. Oui, bah, professionnellement, donc moi, je suis infirmière, donc j'ai passé le concours de la fonction publique pour pouvoir justement partir en disponibilité. D'accord. Donc ça, ce qui me permet aujourd'hui avoir mis en pause ma carrière et pouvoir reprendre un boulot dans 3 ans quand on revient. Et Hub, vas-y. Et moi, j'ai la chance d'être employé dans une banque, donc le Crédit Lyonnais, qui a encore une convention collective qui permet d'avoir plusieurs années sabbatiques de suite.
Et donc, j'ai profité, je ne savais pas en rentrant dans l'entreprise, mais j'ai pu profiter de cette opportunité. Et donc, je sais que je pourrais retrouver mon boulot derrière. Donc ça rassure avant de partir. Voilà, ça rassure, et ça rassure aussi quant au financement, parce que... Alors justement, quant au financement, justement. C'était une grosse partie aussi, et du coup, le bâton, on l'achète en LOA, donc location avec option d'achat, et donc par une banque qui le finance. Et cette banque voulait des garanties. Et donc, le fait qu'on revienne dans 3 ans, qu'a priori, on revend le bateau dans 3 ans et qu'on retrouve nos boulots, ça leur apportait une belle garantie aussi. Donc, voilà ce qu'on a fait. Du coup, ça nous permet de ne pas payer la totalité du bateau aujourd'hui, mais après de louer tous les mois pendant notre voyage un loyer à la banque pour pouvoir profiter de ce beau bateau. Donc, on sécurise le financement, on sécurise l'emploi, et puis après, il reste à sécuriser la navigation. Je sais que vous avez également suivi des formations pendant toute cette période pour justement un objectif fort pour vous. Vous partez en famille avec 4 enfants. L'objectif, un des objectifs quand même, ou un des soucis prioritaires, c'était quand même la sécurité. Oui. Vous vous êtes formé pour ça. Voilà, exactement. Donc, il y a 2 ans et demi à peu près, on a commencé à à choisir toutes les formations dont on avait besoin. On a un petit peu navigué quand même. Hein. Évidemment, on part pas sans aucune base, mais on voulait vraiment consolider toute la théorie. Et donc, voilà, on a commencé à faire pas mal de formations. On se les est partagées parce qu'on ne peut pas non plus partir des semaines et des week-ends entiers en laissant les 4 enfants tout seuls. Donc, on s'est partagé selon un peu nos domaines de prédilection. Donc, moi, je suis partie faire la météo, matelotage, tout ce qui est réparation des voiles. Hubert, il a fait tout ce qui était plutôt mécanique, moteur, électricité, communication aussi en mer. Et après, on a fait ensemble, on a fait tous les deux le stage sur tout ce qui est médical. Oui. Ça, c'était obligé. Et on a fait aussi tous les deux un stage de survie. Donc survie en milieu marin, organisé par la Massif. Et ça nous a permis de vivre toutes les situations qu'on ne doit pas vivre dans ces 3 prochaines années. En tout cas, que l'on espère ne pas vivre. Qu'on espère. Et donc, en tout cas, le sentiment pour vous de partir dans un environnement sécurisé, en tout cas au maximum. On sait bien sûr que la mer aussi peut réserver des surprises, mais en tout cas, vous vous êtes préparé là aussi. Voilà, c'est ça. Au moins, on a sécurisé toute la préparation et on a quand même une bonne base. Voilà, reste maintenant à partir, à pratiquer et à découvrir ce qui nous attend. Alors justement, partir, pratiquer, découvrir ce qui nous attend. Hubert, parlons du parcours. Le parcours qui est prévu pour ces 3 années, on dit bien prévu, on va y revenir. Hein, il peut y avoir là aussi, on va quand même parler des raisons sanitaires qui font que peut-être ce parcours pourra évoluer avec le temps. Mais en tout cas, vous, dans votre esprit aujourd'hui, quel est le parcours prévu? Alors, le parcours prévu, il est assez simple. Hein. Déjà, c'est suivre le vent et le courant. En octobre, suivre le vent et le courant, c'est descendre vers les Canaries, puis le Cap Vert, et récupérer les alizés pour rejoindre le Brésil. Rejoindre le Brésil et puis rejoindre les Antilles. Se poser en Martinique quelques temps. Notre concessionnaire ayant un centre technique là-bas, ça permettra de vérifier tout le bateau, savoir si tout a bien tenu. A priori, pour les sorties qu'on a faites, ça tient bien pour l'instant. Donc, après, direction Panama, les Galapagos, les Marquises, et là, le rêve, la Polynésie française, et puis on remonte sur Fidji. Une grosse étape en Nouvelle-Zélande où on va poser le bateau à terre normalement, histoire qu'on passe l'hiver là-bas, enfin ou l'été. Plutôt l'été, on loue un camping-car et ça nous permettra d'éviter toute la saison cyclonique qui a lieu dans cette partie du Pacifique. Après, remonter sur la Nouvelle-Calédonie, détroit de Torres, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie et redescente de l'océan Indien via les Cocos-Keeling, Chagos, Rodrigue, Maurice et Réunion. Et puis là, on retrouve l'Afrique avec Madagascar, l'Afrique du Sud. On remonte sur Sainte-Hélène en passant par la Namibie et puis de nouveau le Brésil qui nous permettra de foncer directement en profitant du courant Nemo directement sur les Antilles où on passera un peu plus de temps que dans quelques mois, parce que dans quelques mois, on passe 3 mois, je crois. Et dans 3 ans, on y passera 5 ou 6. Et puis, retour par les Açores à La Rochelle.
Voilà. Donc un très beau programme en tout cas pour des personnes qui ont envie de naviguer, découvrir le monde. Eh bien justement, on a parlé du programme, on va parler du bateau maintenant. Comment s'est fait le choix, notamment le choix du catamaran pour ce tour du monde ? Nous, on a essentiellement navigué en monocoque, donc c'est vrai que ça pouvait surprendre certaines personnes qu'on parte sur un catamaran. Mais avec 4 enfants, et vivre 3 ans avec un monocoque qui gîte quand même 90% du temps, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce que les enfants apprécieront. Donc voilà, donc en fait, on s'est très vite orienté vers un catamaran. On a quand même testé aussi 2 semaines un catamaran pour voir un petit peu comment était la vie à bord. Et c'est vrai que c'est sans comparaison. Déjà, il y a énormément d'espace par rapport à un monocoque. Et les enfants grandissant, ils ont besoin un peu d'avoir chacun leur petit espace personnel. Et donc ça, on va le retrouver à bord parce que ça double la surface. Et après, il y a sans comparaison en termes de sécurité aussi parce que on bouge différemment, on gîte pas et on voit où sont les enfants en permanence parce que le concept justement de l'open là est fait pour ça. Donc vraiment, on a une vision sur tout, partout, tout le temps. Et ça, en termes de sécurité, c'est vraiment génial. Et alors, tout à l'heure, on parlait de salon, prendre des informations, etc., pour faire le choix du bateau. Qu'est-ce qui a motivé en fait votre choix vers ce bateau, le Nautitech 46 Open, Hubert ? Alors, le choix, il était, en fait, il a fallu poser un certain nombre de critères pour trouver le bateau qui nous conviendrait. Le premier critère, Juliette l'a cité tout à l'heure, c'est la sécurité. Donc un bateau qui tient bien la mer, relativement grand pour passer les océans, puisqu'on va traverser 3 fois l'Atlantique quand même, le Pacifique, l'océan Indien qui est, paraît-il, un petit peu chaud. Donc il nous fallait un grand bateau avec une construction solide, structurellement unie. Et ça, Nautitech est un des seuls à le fournir. De par sa construction. Et on cherchait un bateau qui nous permette d'avancer, mais qui offrait un confort quand même, parce que c'est bien d'avoir son petit confort, pour les enfants comme pour nous. Donc il y a des gammes supérieures qui font de la course croisière. Il y a des gammes qui font plutôt la croisière et nous, on a choisi la gamme entre les deux, c'est-à-dire plutôt croisière-course. Quoi. Croisière-course, confort, sécurité, performance. C'est ça, exactement. Justement, ce Nautitech 46 Open, je vous propose de le découvrir en image avec une visite guidée qui nous est proposée par Agathe, votre jeune fille de 8 ans. On regarde quelques images ensemble. Bonjour, je vais vous faire visiter Kumbaya, mon Nautitech 46 Open. C'est facile de monter à bord. Le poste de bar, il y a le même de l'autre côté. Il y a les 3 voiles, celle où il y a écrit Kumbaya et la grande voile. La petite grise, c'est le Solent. Celle de toutes les couleurs et le générateur, c'est aux couleurs de Kumbaya. Le trampoline où j'aime bien jouer avec Bertie, Paul et Louise. Ici, il y a l'ancre qui nous sert pour le mouillage. Ici, il y a des grands coffres qui nous servent à ranger nos pare-bagages. Nous sommes une famille de 6 personnes et nous allons faire le tour du monde pendant 3 ans. Nous avons donc choisi un grand cockpit qui nous sert à manger, à jouer, à discuter, à se reposer. Il y a une vitre qui nous sert à voir et à contrôler les voiles. Ça, c'est l'annexe qui nous sert à aller à terre quand on est au mouillage. Les baies vitrées nous permettent d'agrandir l'entrée du bateau. Quand tout est ouvert, le cockpit et la cuisine peuvent communiquer. Nous avons une cuisine avec tous les équipements pour cuisiner. Nous avons même un four pour faire des gâteaux. La table à cartes nous permet de préparer les routes et d'avoir toutes les informations sur le bateau. Le grand salon nous sert à prendre notre petit déjeuner et à faire nos devoirs. La table peut se descendre. Elle nous sert à faire la sieste ou à s'amuser.
Sur le bateau, nous avons 4 cabines et 4 salles de bain réparties dans les deux flotteurs. Sous les marches, nous avons l'hublot de secours. On pourra voir les tortues et les requins à Tahiti. Ma cabine avec ma salle de bain, tous mes jouets et tous mes rangements. En face, nous avons la cabine des parents et leur salle de bain. Ici, la cabine de Paul et Bertie et de l'autre côté, celle de Louise. Ils ont chacun leur salle de bain. Notre bateau navigue hyper bien. Nous avons hâte de partir faire le tour du monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le voyage de Kumbaya, à bientôt! Eh bien, merci beaucoup à Agathe, votre deuxième fille, hein, du haut de ses 8 ans, qui nous a fait profiter de cette très agréable visite de ce Nautitech 46 Open. Et nous aurons retrouvé ici Laura Gobeau du chantier Nautitech. Bonjour Laura. Et Marc Lombard. Marc Lombard, architecte naval de renom. J'oserais dire qu'on ne vous présente plus pour toutes vos réalisations connues, que ce soit dans le monde de la croisière, dans le monde de la course au large, du multicoque au monocoque ou du monocoque au multicoque, je ne sais pas dans quel sens on doit le dire. Et vous êtes, c'est votre cabinet qui a dessiné ce Nautitech 46 Open. Alors, Marc, j'ai envie que vous nous disiez quelques mots en rebond aussi sur ce qui vient d'être dit, sur la sécurité, le confort, la performance de ce bateau. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire justement sur les qualités de ce Nautitech 46 Open ? Eh bien, bonjour à tous. Ce que je pourrais dire, c'est que les Nautitech, en général, c'est des bateaux qui sont extrêmement polyvalents. Il y a un grand équilibre entre la performance potentielle. Si on tire dessus avec un bon équipage, on est capable d'aller très vite. Et la sécurité du bateau, que par contre, si on le mène de manière paisible, c'est un bateau qui ne vous trahira jamais, qui est bien construit et qui est simple et qui va surtout permettre de garder des moyennes élevées, même en étant bien réduit. Je pense par exemple dans les Alizés où la nuit, souvent, il y a des grains 25-30 nœuds. Bon, mettez deux riz sur un bateau comme ça, vous continuez à marcher à 8-10 nœuds, vous pouvez dormir tranquille, quoi. C'est un bateau qui est très haut sur l'eau. Ouais. Donc aussi, il ne tape pas du tout dans la mer. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis, il a un comportement extrêmement sain dans les grosses houles, notamment dans les alizés où il y a souvent pas mal de mer. Quand il y a 25-30 nœuds, on a souvent des creux de 3-4 mètres. Et ça peut... Là, on voit bien que le bateau, il soulage très bien la lame. Et donc, c'est plutôt sécurisant de ce point de vue-là. Et par rapport à la présence justement des enfants aussi, hein, puisque les enfants ont de 3 à 11 ans, l'aspect sécurité aussi, les caractéristiques de ce bateau par rapport à la présence d'enfants à bord ? Eh ben, écoutez, moi, j'ai aussi expérimenté avec des enfants. Non, c'est parfait. Enfin, je vais vous dire, d'une manière générale, les multicoques, c'est parfait parce que les cockpits sont bien fermés. En plus, sur ces bateaux-là, on a un espèce d'espace vital au milieu avec l'intérieur et l'extérieur qui sont très ouverts. Mais en même temps, c'est très bien fermé par l'arrière avec une poutre arrière, des balcons, des chandeliers, avec même des enfants en bas âge en bricolant un petit filet pour les filières basses. Ça devient des endroits qui sont extrêmement sécurisants. Hein. Moi, je sais que je suis parfaitement assuré avec des enfants dans un cockpit comme ça. Il ne peut pas vraiment se passer grand-chose. S'ils veulent monter sur le pont la nuit, c'est autre chose. Mais là, en général, les parents sont là. Vous nous dites avoir justement expérimenté la sécurité à bord parce que vous êtes vous-même propriétaire d'un Nautitech, le 40 Open. C'est bien ça ? Oui, ça date déjà d'il y a 5 ans. Hein. J'ai eu un des premiers 40 Open, mais... Ouais. Bon, je l'ai toujours d'ailleurs, j'en suis très content et je continue à naviguer en famille, avec les amis, avec les copains. Et voilà, on va certainement ramener mon bateau en Europe cette année, vu les circonstances. Et peut-être aller dans le nord un peu pour expérimenter le bateau dans les pays froids aussi. Donc très polyvalent ces catamarans, Marc Lombard. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens ont associé le concept de l'Open uniquement avec le côté pays chaud. Moi, je pense que ce n'est pas si vrai que ça, parce qu'en fait, il est facilement fermable. Et du coup, le volume est facilement chauffable aussi. Donc, ouais, encore une fois, un multicoque, c'est super confortable. Enfin, quand on a fait comme moi du monocoque toute sa vie, on apprécie le côté extrêmement sec du cockpit
On n'a jamais de flotte dans le cockpit, par exemple. Donc ça, c'est quand même un énorme atout de prendre ses quarts de nuit, même dans le mauvais temps. Je me souviens quand j'ai traversé, moi, il y a 5 ans, donc on est parti d'ici, il y avait fort mauvais temps et on n'est pas mouillé sur le bateau, quoi. Jamais. Hein. Donc c'est quand même tout à fait autre chose que de naviguer sur un monocoque où il faut mettre le ciré dès qu'il ne fait pas beau, quoi. Notamment quand on part en croisière. Et justement, ces monocoques, donc Laura Gobeau du chantier Nautitech. Chantier Nautitech, les bateaux Nautitech sont construits à Rochefort, à 2 pas d'ici. En revanche, de ces bateaux, il y en a aux 4 coins du monde. J'ai envie que vous nous parliez justement du réseau Nautitech au niveau mondial, le réseau de distribution notamment. Oui, tout à fait. Alors, le chantier Nautitech a développé un réseau international. Et aujourd'hui, si on compte, on a plus de 50 partenaires autour du monde qui accompagnent nos propriétaires dans leurs projets et leur belle navigation. Et aujourd'hui, Nautitech, ça représente combien d'unités qui naviguent justement là aussi à travers le monde ? Alors, on a fait le décompte. Aujourd'hui, tout modèle confondu, on a plus de 500 bateaux Nautitech qui sont autour du monde. Donc 700 bateaux. Alors, quand on parle de ces bateaux autour du monde, est-ce que ça veut dire que la typologie de clients Nautitech ne sont que des tours du mondistes ? Eh bien non, aujourd'hui, les Nautitech, c'est pour tout le monde. C'est aussi bien pour des clients qui seraient novices, qui voudraient découvrir le catamaran, mais bien évidemment aussi pour des gens qui viennent du monocoque, qui souhaitent aujourd'hui plus d'habitabilité, plus de stabilité, et puis pour des propriétaires comme Kumbaya, qui souhaitent aujourd'hui faire l'expérience, l'aventure du tour du monde. Donc là aussi, des bateaux pour tous. Merci beaucoup, Laura Gobeau. Merci, Marc Lombard. Juliette Hubert, vos 4 enfants, c'est vrai, sont jeunes. Vous allez partir pendant 3 ans autour du monde avec eux. C'est long. Vous allez traverser les océans du monde entier, quasiment. Tout le monde se demande à quoi peut bien ressembler le quotidien à bord de ce bateau. Eh bien, vous avez eu la gentillesse de nous accueillir il y a quelques jours, hein, à l'occasion d'une de vos premières sorties. Et ce qui est remarquable quand même, c'est de voir à quel point les enfants se sont très vite amarinés, se sont habitués à la navigation. Vous êtes en manœuvre. Ils sont à vaquer à leurs occupations à l'intérieur du bateau. Mais je vous propose de regarder maintenant ces images.
Ah, effectivement, de très belles images de navigation. Il y avait un petit peu d'air en plus ce jour-là. Et on voit très bien sur ces images hein, la capacité d'adaptation des enfants sur ce bateau. Alors, en tout cas, avant de passer aux questions des internautes, je tiens à vous remercier encore une fois de nous accueillir à bord de ce bateau. Alors, effectivement, le départ à l'origine était prévu ce soir même. Malheureusement, bon, pour des conditions météo que tout le monde peut comprendre, eh bien, ce départ est légèrement décalé. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure du suivi de votre aventure. Donc, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions. On a choisi 4 questions posées par les internautes qui ont suivi avec nous ce live et on vous remercie encore d'être présents. La première question concerne la cuisine. Je vous la lis. On a même vu le Thermomix sur le bateau. Comment allez-vous gérer la nourriture pour 6 à bord ? Alors, on sera 6, mais on sera parfois un peu plus parce qu'on va partir avec des équipiers sur les traversées. Là, pour le golfe de Gascogne, par exemple, on embarque 2 personnes en plus. Donc, on sera peut-être 8 ou 9 parfois. Mais ça va être de la cuisine simple, mais en même temps, on aime bien cuisiner. Donc oui, on a emmené le Thermomix parce qu'il peut nous aider pour certaines choses. D'autant plus que parfois, on a des coupures de gaz parce que les embouts de gaz ne sont jamais les mêmes dans tous les pays. Donc on s'assure d'avoir de quoi faire cuire des pâtes, du riz, au moins via l'électricité. Les produits de base. Exactement. Et voilà, après, ce sera des avitaillements dans les ports où on pourra. Et puis sinon, on s'adaptera à la nourriture locale sans problème. Le Thermomix est le bienvenu en tout cas. Le Thermomix passera en termes d'électricité à bord. Alors, on parle justement de l'électricité, on parlait tout à l'heure de mécanique. Alors là, on va parler de l'autonomie en eau et en électricité, puisqu'un internaute nous pose la question, quid de l'autonomie justement en eau et en électricité sur ce bateau ? Alors, l'autonomie en électricité, on va commencer par ça, puisque de cette autonomie découle l'autonomie en eau. On a fait installer 3 panneaux de 400 watts, donc ce qui fait 1200 watts pour alimenter le bateau, ce qui selon nos calculs avec le chantier devrait suffire à nous laisser autonomes jour après jour. Voilà, donc autonome en électricité. Les panneaux sont découplés, donc qu'il y en ait un à l'ombre ou pas, c'est chacun son tour, chacun fournit les batteries. Et normalement, on devrait être autonome puisque le soleil brille régulièrement, normalement, sous les tropiques. Oui, Juliette ? Juste, on peut remercier Néomarine, notre concessionnaire, qui nous a fait toutes nos installations pour qu'on ait un maximum d'électricité et d'eau à bord. Et donc, de cette autonomie en électricité, on a fait installer donc, par Néomarine un désalinisateur en 12 volts, ce qui nous fournit 100 litres environ à l'heure. Et donc on peut faire tourner au zénith, hein, on va dire, pour récupérer 100 litres d'eau ou plus ou moins selon nos besoins, sachant que c'est de l'eau qui est buvable. Et donc ça sera pour notre consommation alimentaire, on va dire, et le reste sera pour les cuves. Donc pour les douches et autres. L'autonomie est assurée pour l'eau et l'électricité. Une troisième question qui concerne la scolarité, concerne les enfants. Alors, c'est un sujet d'actualité, la scolarité à distance. Et cette question d'un internaute qui nous pose la question, justement, comment les enfants vont passer de classe en classe, puisque c'est vrai qu'on a pour habitude de rencontrer des gens qui partent pour une année. On se dit, bon, on va tâcher de récupérer cette année, voire même faire redoubler l'enfant, hein, parfois sur une année, mais là sur 3 ans. Comment vous allez justement vous assurer à la fois de leur niveau, des acquis et du passage d'une classe vers une classe supérieure ? On a encore cette liberté aujourd'hui de pouvoir faire l'école à bord. Donc voilà, on avait le choix de pas du tout faire d'école, de prendre des cours par correspondance, ou d'inventer nous-mêmes nos programmes, en fait. Donc voilà, nous, on a fait le choix de prendre des cours par correspondance parce qu'on n'est pas professeur des écoles ni l'un ni l'autre et qu'on a besoin d'avoir un suivi. Et justement, ce cours par correspondance, nous, on a choisi le cours Sainte-Anne, qui est un cours privé, mais qui est d'un très bon niveau et qui est assez souple, on va dire, qui s'adapte plus à chaque enfant. Et voilà, ça va nous permettre d'avoir aussi un certificat de passage en classe supérieure à chaque année, ce qui fait que quand on rentrera, a priori, il n'y aura aucun problème pour retrouver les classes des niveaux qui correspondent aux enfants. Donc tout sera validé. Et les cours, vous envisagez vraiment de mettre ça dans le quotidien ? Ah oui, là, on n'a pas le choix. Hein. On a 4 enfants, ils sont tous en âge d'être scolarisés, donc ça va être tous les matins entre 2h et 4h pour notre plus grande.
de travail tous les matins et on n'est pas trop de deux pour les faire travailler tous les quatre. Un tour du monde, mais pas de vacances scolaires alors. On aura aussi des vacances. Ah, quand même. Allez, une dernière question que l'on vous propose, c'est justement bien, pendant ces trois années, un internaute qui nous dit on aimerait bien vous suivre pendant ces trois années. Comment faire ? Eh ben, il faudra nous rechercher sur Internet. Non, on est assez visible. On va continuer de publier régulièrement sur. Alors pour l'instant, on a plusieurs canaux. On verra après, en fonction de nos connexions, etc., qu'est-ce qui est le plus facile d'utilisation et qu'est-ce que les internautes préfèrent aussi comme canal de communication. On a notre page Instagram qui s'appelle Le Voyage de Kumbaya. Le Voyage de Kumbaya. De Kumbaya, okay. Tout à fait. La page Facebook qui porte le même nom, Le Voyage de Kumbaya. Après, on a un site internet qui s'appelle levoyagedekumbaya.com et une chaîne YouTube que vous pouvez retrouver aussi sous le nom du Voyage de Kumbaya. Donc, Le Voyage de Kumbaya sur Internet, c'est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur votre site internet pour suivre toutes vos aventures. Voilà. Eh bien, en tout cas, Juliette, Hubert, merci encore une fois pour votre accueil. Alors, avant de se dire au revoir, on va accueillir les enfants à bord, s'il vous plaît, avec nous. Nous allons accueillir Louise. Louise, si tu veux bien avancer. Louise, Agathe, Paul et Bertille, les enfants, si vous voulez bien venir nous retrouver. Allez, venez retrouver vos parents ici dans le cockpit de ce bateau, ce Nautitech 46 Open. Et puis, eh bien, ça va être l'occasion, eh bien, tout simplement pour nous, de vous souhaiter en tout cas un très, très beau voyage. C'est Bertille, je crois, qui passe me voir. Vous souhaitez un excellent tour du monde. Merci encore une fois pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour les prochains live Choose Your Boat. Au revoir.